Salut tout le monde, aujourd'hui je réponds à la question de Aminata de Charleroi qui m'a demandé comment bien mettre un préservatif interne. Pour répondre à cette question, j'ai invité le doc et il va tout nous dire à ce sujet. Alors le doc, comment est-ce qu'on met bien un préservatif interne? Salut Capotman, salut Aminata. Donc pour bien mettre un préservatif interne, ça fonctionne en quatre étapes. Donc je vais prendre celui-ci pour vous montrer. Bon, celui-là, il est pas lubrifié, mais celui que vous utiliserez sera lubrifié. Donc on vérifie la date de péremption et le logo, c'est bien évidemment sur l'emballage. Ensuite, on fait un huit avec l'anneau intérieur. Ah, attends, c'est pas comme chez moi, ça, il y a un anneau à l'intérieur? Oui, et l'anneau il sert à faciliter l'insertion dans le vagin et aussi bien maintenir le préservatif à l'intérieur. Ah, ok. On l'introduit dans le vagin avec les doigts, on part comme ça. Et ensuite on vient le pousser de l'intérieur. Et voilà. Donc il va se mettre comme ça dans les parois vaginales en fait. Est-ce qu'il peut aussi servir pour les pénétrations anales? Tout à fait. Donc il suffit juste d'enlever l'anneau qui est à l'intérieur et ensuite on le pose sur le pénis et on peut l'utiliser pour une pénétration anale. Ok, super, nickel. Ben, un grand merci donc, pour toutes ces explications. Eh ben, donc, si j'ai bien compris, pour résumer, je fais un 8 avec l'anneau à l'intérieur, je l'introduis dans le vagin avec les doigts, je le pousse le plus loin possible. Et puis après, bah, je suis paré pour m'envoyer au septième ciel, quoi. C'est bien ça, et en plus, tu peux même le mettre plusieurs heures avant le rapport. Ah, bah encore quelque chose qui est différent avec moi. Bah, c'est Ouais. pas mal, c'est pas mal. Bah, un grand merci. Bah, voilà, bah, merci Doc. Mais moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.